effectivement. On est toujours dans cette ambiance-là, vous avez tous en tête Notre-Dame de Paris, le parvis qui avant était beaucoup plus petit. Alors ok, c'est la gaudriole, c'est la fête, on rigole. C'est la foire au jambon, la fête des oignons, la fête des fous. Mais il y a un autre moment beaucoup plus triste au cœur de Notre-Dame, puisqu'à l'entrée de Notre-Dame, vous aviez un endroit où on pouvait abandonner les enfants. C'est l'ancêtre, j'allais dire vulgairement, du vide ordure, mais c'est le même principe, puisque c'est un endroit qui se tourne comme ça, où on abandonne son enfant, on tourne, au moment où on tourne, il y a une petite clochette, les bonnes sœurs sont au courant qu'un enfant a été abandonné, et à partir de ce moment-là, la personne peut s'en aller, elle n'est pas inquiétée, et ce sont les bonnes sœurs qui récupèrent cet enfant abandonné qui, à la base, portera le nom du jour où il a été abandonné, du saint, du jour auquel il a été abandonné. Et parmi toute cette troupe, cette compagnie, tous ces gueux, il y a, on a, une enfant abandonnée. Alors, une enfant abandonnée, enfant, je devrais dire plutôt une automate, qui a été abandonnée là, qu'on a oubliée au cours de nombreuses péripéties. Une troupe, peut-être, qui l'a oublié là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est encore vous! Oh, bravo! Bravo! Hop là, attention! Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais pas les bœufs, hein. Ah, oui, bon. Donc, cette pauvre enfant, ce pauvre automate, ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui donne de l'amour, mesdames et messieurs. Et c'est ce qu'elle va vous donner maintenant. Thank you.
c'est le même. Que c'est le même. C'est un régime de feu. Naturellement chez nous, au cœur de cette cour des miracles. Cette cour des miracles où la première catégorie, je vous ai dit tout à l'heure, les faux mendiants, enfin les mendiants, les faux malades, les simulateurs, d'un autre côté les escrocs, toute cette population, il y en a qui vivent de jour, d'autres la nuit. Eh bien, cet automate, on en a bien pris soin.